nous parlons plus deep dans la question de thème. Quel que soit ça qui fait dans la musique, il y a une façon qu'à expliquer. En compétition, ok, dans jouer musique à 4 temps. Et puis moi j'ai un do. Moi j'ai ré. Et puis moi j'ai mi. Et puis moi j'ai fa. Ah. Bon, pour bon pas mesurer plus, bon je bon pas jouer musique pour nous juste qu'à faire plus facile. Moi j'ai do ré mi fa sol. Et puis là si do. Un banquier ben l'octave. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si ma place intervalle sa yo en tierce, c'est là nous allons commencer à parler de harmonie et de harmonisation. Qui est harmonie? Harmonie, harmonie, c'est le fait que vous mettez plusieurs notes ensemble. Vous avez joué ensemble. Dans le cas, vous avez joué en ensemble, vous avez joué en 4 ensemble, vous avez joué en 5 ensemble, vous avez joué en 6 ensemble. Somme qu'à mettre plus que deux notes. L'aime bien plus que deux notes, on va parler de intervalle, on va parler de accord. En accord, c'est un constituant de plus de deux notes. Et puis, il y a trois notes, il y a les triades. Si il y a quatre notes, il y a les tétrades. Si il y a cinq notes, il y a les accords fifth. Si il y a six notes, il y a les accords sixth. So, depuis que moi, j'ai plus que deux notes, moi, je ne vais pas parler d'intervalle. Même que intervalle, c'est 10 ensemble de deux notes, nous parlons plus devant des concepts d'accord que les diades. Diade, c'est accord de deux notes. Mais dans la face, on va penser à diade, on sépare l'intervalle du accord, juste pour qu'on bien comprendre. Là, on prend gamme do majeur moyen, on do, ré, mi, fa, sol, la, si. On va harmoniser li, on va mettre un intervalle de tierce. On va écrire do, mais ré, mi, fa, sol, la, si. Si ma mette gamme sans intervalle de tierce, qui ça qui tierce de do? Bon numéroté en avant. Ok? Qui note qui tierce de do? Dit do, ré, mi. Mi c'est tierce de do. So, ça veut dire que ma vie est do, mi. Il y a deux notes à eux. Il y a un intervalle de tierce. Si ma partie de ré, qui note qui parle tierce de ré? Me dit ré, mi, fa. So, fa pour la troisième note de ré, me dit ré, mi, fa. So, fa pour la troisième note de ré. Si je vais pour mi, qui note qui prend la troisième note de mi, je dit ré, mi, fa, sol. Ça veut dire sol pour la troisième note de mi. Sauf là, je vais un intervalle de tierce de chaque degré, ça voilà. Et si je vais aller pour fa, ok, je vais venir fa, sol, la. Ça veut dire la praler intervalle de tierce pour fa. Et ainsi de suite, si je prends sol, sol va venir si la donne. La, la gen do. Et puis si pour venir. Nous juste résumer li parce que m'estime que nous comprenons. OK. So si m'a pas harmoniser gamme moyen en do et fa sol la si en intervalle de tierce, nous juste à placer notre ça moi m'a mi fa, m'a mi. Là mettre ensemble fa. OK, si m'a mettre on si m'a mettre quoi de note, m'a juste mettre toutes les deux notes ensemble. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ok. En si ré. Do mi. Ah, etc. So, je vais faire ça bien. Si ré. Si ré. Et do mi. Et ça, c'est l'intervalle. C'est dans do, ré, mi, fa, sol, gen do. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Moi, juste harmonise dans l'intervalle de tierce, je vais mi, fa, sol, la, si, do, ré, en l'intervalle de tierce. Je vais essayer de jouer sous guitare, moi, comment il sonne. Mais, gars, moi, en mélodie. En l'intervalle de tierce, je vais venir do, do, mi, même jeu ensemble. Do mi. Même quand
que dans tout corps qui t'a que pas obligé aller horizontal linéaire mal linéaire juste pour qu'à faire les par ici pour même qu'à jouer ça c'est 3 4 notes on gagne mal à faire dit sol 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 mi OK qu'on va harmoniser et intervalle ça en tierce mais par contre ça nous besoin qu'on est qu'on y a mélodie dans notre aigu les mélodies dans notre aigu intervalle moins supposé dans notre qui plus grave que mélodie là donc moi ma question c'est de faire intervalle de mi mi parce que là faire mi mi sol aigu donc parce que là notre plus grave sol la plus aigu. So, là, fait un demi, vous marquez bien sol en aigu. Vous pouvez juste faire un demi. Ok, mi. Qui l'a bien mi, l'a fait un demi aigu, c'est l'a fait do. Do mi, bien do, et bien mi. Et bien, vous avez fait un demi, et bien, vous mi, et tias mi, mais sous sol. Nous comprenons? Ça veut dire, si vous prenez une mélodie, ça, soprano, dit soprano, fait note ça. Je dois faire ça. Et vous pouvez faire ça. Mets tout ensemble, you will be more money. Ça c'est une option et comment pour jouer intervalle là, la mettre dans intervalle de tierce. Mais par contre, intervalle là aussi quand jouer intervalle de quatre, quand on met intervalle ça. Do 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 do, moi harmoniser en intervalle de quatre. Des fois on garde qui intervalle de quatre, qui note qui quatre pour avoir sol. On a qui capable pas avoir sol, c'est il pral mais pas de sol là si dono, mais c'est sol qui cap là parce que c'est mélodie c'est sous sol lié. So si me prend ré me dit ré mi fa sol avec ce ré pral l'autre qui pi grave là. Ça c'est intervalle de quatre je vous remarquez même musique comme je. Ça c'est intervalle de tierce. On va faire l'intervalle de quatre. Nous avons même intervalle de 4 tout. Intervalle de 4 par rapport à sol, il va venir do. Vous pouvez dépendre de la couleur de son. Si le son est 6, je vais faire par rapport avec sol, 6 voici. Vous allez jouer, vous allez faire. Ok, vous allez faire tiers seulement. Ça, c'est intervalle de tiers, je vais faire. Il y a déjà un bas, mais ça va faire intervalle de 6 par exemple. Comment ça tourne la mélanger? Mélanger tiers avec 6. Donc, il va arriver plus devant l'ovine habitué à intervalle pour remarquer que vous pouvez mélanger son pire main. On a choisi jouer tiers avec quelqu'un de monde, surtout dans. Eastern music, nous avons un intervalle de quête. Il y aurait un intervalle de quête. Soit pour ne pas maintenir. Chaque musicien a un intervalle qui aurait joué. Bien sûr, il aurait joué un pilote octave. Ou est-ce que par exemple, il a fait Dieu? Il a plutôt fait un octave. Ça, c'est un intervalle d'octave. Ok, intervalle vraiment belle, vraiment. Vraiment intéressant, surtout soit fait choral, on a besoin de ça. Qu'on y a là, le fait qu'on va mettre plusieurs intervalles ensemble, on va mettre plus que deux intervalles, on va commencer par les deux accords. Mais ça me choque, pour me parler de ça, même finir avec intervalle plus, on va avoir plus de détails de intervalle. Ok, ce sont pas nous, comment nous arrangeons l'intervalle, c'est d'aller mettre dans la science. Et voilà qu'à nous, essayer d'arranger l'intervalle, mettre en quatre, même pas là, écrit dans l'avant et puis mettre l'intervalle en bleu. En l'air, la partie aiguë ou bien la partie grave, quel soit que vous voulez ranger l'intervalle ou pas. Ok, on dit que l'intervalle de 6, deux gammes d'eau, il va sur la cible. Il y a do, ré, mi, fa, sol,
La, donc sol, la, si, do. Je vais faire le 6, je vais compter le 6 à partir de do, ré, mi, fa, sol, la. Ça veut dire la, c'est une 6 pour do. Donc, quand il y a la, je vais effacer ça. Je vais mettre chaque intervalle. Je vais dire do, ré, mi, fa, sol, la. La, c'est une 6 pour do. Je vais dire do, la. Ça veut dire que je vais chercher le côté de la mienne. Je vais dire do, ré, mi, fa, sol, la. Je vais faire un intervalle de 6. Je vais tous les deux ensemble. Je vois que bas ça veut dire que tous les deux notes ensemble. Ok. Si je décris après, il t'a joué ma vie notre simultané. Ré, kounia, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça va me 6. Ça veut dire si, une sixième note. Ré. Ainsi de suite. Mi, fa, sol, la, si, do. Do, une sixième note pour mi. Comme tout connaît, bamba, je vais faire du temps. Ré, une sixième note pour. Et on va mettre là, ça c'est là. Et ré 26ème note pour fa, mi 26ème note, la va venir fa qui 26ème note, et puis va venir si va venir sol qui va 6ème note. Va venir l'âme de compte de gamme de majeur là. C'est un gamme où il y a un tenu compte de lit pour écrire intervalle. Nous avons marqué que je n'ai pas écrit intervalle avec aucune altération. C'est parce que je pas passé avec gamme yo séparément, je passe avec gamme do majeur que hier que m'a juste harmonisé mais m'a mis en intervalle. Là m'a joué intervalle de 6, intervalle de 6, c'est-à-dire un 6ème degré par rapport à la première note là. Gè do, je dis 6, m'a dit do, ré, mi, fa, sol. Là ça m'a 6. OK? So m'a juste une gamme déjà juste mettre tout 6, m'a gagné là si do, ré, mi, fa, et puis sol, et puis ma mi, la. Et je vais tout. Ok, si ma gamme de majeur, non, en étoile de 6, mais pas bien gamme, c'est do. Ok, ma vie étoile de 6, non, ma vie. Pas vraiment gagner en façon absolue pour faire un tas de choses. Il dépend de qui ça ouvre les faits. Il dépend de qui genre confortable dans la musique, genre confortable dans la technique. Là. Il va dépendre, oh, je suis obligé de faire ça. Non, non. Il dépend de confortabilité dans quelque chose de technique qu'on va jouer. Ok. Quand on va étudier qualité intervalle. Qualité intervalle. Il y a un intervalle qui est majeur, qui est mineur, qui est augmenter, il a diminué, et bien il a juste. Il y a cinq qualités dans l'intervalle. Il y a un intervalle capable majeur, je vais marquer ça intervalle. Un intervalle capable 1, cap majeur. Intervalle à 2, cap mineur. Intervalle à 3, le cap juste. Intervalle à 4, le cap augmenté. Intervalle là, 5 il cap diminué. Et l'intervalle majeur, c'est le tout intervalle qui non distension respecte norme gamme. Ne pas mal prendre le ton, puis faut nous avoir utilisé intervalle, faut comprendre les ton, dans demi ton, ils diront ton majeur, on ton demi mineur, deux tons. Non, même ça, je ne pas prendre comme ça parce que je ne pas être trop confuse. Et je viens avec une nouvelle explication pour vous. Côté que je dis, lorsque je fais un intervalle, exemple, do, ré. Premier indique tonalité intervalle là. Deuxième indique distance intervalle là. Do, ré, c'est le deuxième qui dit son seconde. Ok? Mais pour connaître si son seconde majeur ou bien mineur, c'est do après dire qui est seconde lié. Le fait que je joue en do, ré dans son ré naturel, ré naturel, et puis je me dis ça son seconde majeur. Ça son seconde majeur. Mais si je dis do, ré bémol, ok, do, ré bémol,
pas bien, monsieur indique une seconde. Mais par contre, les gamme de do, ça c'est un cours qui est en altération pour que si on va maîtriser, aller prendre en classe. Ça va bien, disons, le son, ça va vraiment débutant. Qui est le bagage sous baffin, songer, à faire une recherche pour qu'il bien songer, parce que ça va déjà avancer. Ok, dit do, ré, ça son seconde, mais pour qu'on ait si majeur mineur, je connais que les gamme de do majeur, je ne pas supposer qu'il y ait un bémol. Mais le fait que moi, mon bon bémol, ça veut dire que il y a un mineur qui mange lui. Et mes amis, moi, bien, ça son seconde mineur. Bien que ça c'est demi-ton, moi je ne pas trop ton confuse, je pense que c'est plus facile pour considérer le premier note là comme tonalité, hein, qui va qualité intervalle là, et puis le deuxième note là comme note qui va distance intervalle. Premier note là travaille pour qualité, hein, deuxième note là travaille pour distance intervalle. Premier note là travaille pour qualité intervalle là, deuxième note là travaille pour distance. Ça veut dire do, ré, seconde majeure, do, ré bémol. Seconde mineur. La continue toujours. Do, mi. Là, on va intervalle pour calculer. Enfin, on dit do, mi, on dit do, ré, mi. Ça veut dire troisième degré. Il y a un intervalle qui fonde sur troisième degré. Si on tire à ce premier. Il y a un intervalle qui fonde sur troisième degré. Si on tire à ce premier. Il y a un intervalle qui fonde sur troisième degré. Mais en anglais, tu as dit turn. Ok. Turn en anglais. Ou bien tire en français. Et. Je mettais mieux anglais ou bien français dans un malheur. Pour qu'on comprenne tout le monde comme ça. Do, mi, ça sont tierces. Mais pour qu'on connaît qui tierces lié, on connaît monsieur et bambre à distance, mais do, pas le dire si c'est majeur ou mineur. Le fait que je connais le gamme de do, c'est mi naturel et moins mi naturel, ça veut dire que je suis un major. Et en anglais, je dis ça sont major. En français, je dis ça sont tierces majeur. Ça sont major. 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 Ça c'est major turn pour intervalle do mi. Ainsi de suite. Mais par contre, l'intervalle a fait sur 4e avec 5e degré, il n'y a pas de majeur pour lui. Il dit les juste. Et pour qui ça dit 4e degré, 5e degré juste, si on sépare pour rentrer kounya, mais kounya on juste prend comme ça parce que les deux rapports avec même ça t'a parlé de fréquence hertz overtone, j'en ai parlé encore au commencement, mais genre de coup ça c'est peut-être mon qui fait qui plus dit dans la musique, et je pense que c'est pas un phrase qui est vraiment urgent pour qu'on puisse aller où il est juste pour les majeurs. Mais par contre, dans le cours avant, c'est au map Kafel. Spécialement parce que je voulais juste d'ouvrir pour qu'on ne pas que je vais montrer trop côté théorie ça sorti pour que 4e degré, 5e degré, que le juste. Ok, 6e degré en cas majeur, etc. So far, nous voyons comment on joue intervalle majeur à intervalle mineur. Et bon mettez liste intervalle qui est majeur pour nous, intervalle qui est mineur pour comprendre comment elle a parlé pour nous, pour nous parler bien. Si nous entre do et sol pour connait do ré mi fa sol, on qu'est pas dire qu'est la majeur, mais on dit juste parce que n'est pas majeur, il pas majeur pas mineur, c'est soit juste ou même l'augmenter ou même diminuer. So bon mettez tableau et tout intervalle qui est majeur pour vous, tout intervalle qui est mineur. Tout est dans le cas majeur pour nous, nous gagnons unisson. Et par unisson, on dit seconde. Seconde cas intervalle majeur, seconde, tierce cas majeur, sixième, six, sixième cas majeur, septième cas majeur, neuvième cas majeur, onzième tout, onzième c'est même qui et quatre mais on a dit onzième, mais treizième etc. Onzième c'est sixième en tout. On a onzième qui est majeur et on a treizième qui est majeur. Mineur c'est même tout le monde ça autour qui est mineur. C'est tout intervalle ça autour qui est mineur tout. So si on a doré seconde majeure, si c'est do, ré bémol, ça c'est seconde mineur. Si c'est do mi, intervalle tierce majeur, do mi bémol, tierce mineur, ainsi de suite. Intervalle qui est juste, c'est intervalle 4 et puis quinte. Ça intervalle et en anglais c'est la fourth et puis fifth.
ça c'est un intervalle qui est juste. Si je dis do, fa. Intervalle ça qui est juste. Je ne peux pas dire oh, intervalle majeur. Langage dans c'est do, fa, c'est un intervalle qui est juste. Si je dis do, sol. Parce que sous 5e degré, 5e, ça c'est un intervalle qui est juste. Ça c'est intervalle de quinte que m'a joué et intervalle juste que m'a joué. Intervalle qui a augmenté, nous gagnons seconde qui a augmenté. Seconde qui a augmenté, tierce qui a augmenté, il veut ne pas trop utiliser. Tierce qui a augmenté, et puis il y a quatre. Ça a augmenté et puis quinte. Et je vais nous prendre note parce que l'information c'est extrêmement important surtout. Les pas théorie, l'offre fait théorie un peu fois mon fatigué à savoir attendre mais par contre et pratiquement, et me garantit nous pratique théorie c'est des fois fort appliquer pratiquement bien meilleur. Si théorie pas bon, moi garantis pratique ou pas aussi avancé. Nous avons un intervalle diminué, ok? Intervalle diminué qui m'a mis un 7e, 4, 4, 4, 4, 10, et puis 7e. Et non, intervalle est juste, moi bien ajouté octave, je vais mettre octave comme intervalle qui est juste. So, ça fait moi écrire ça pour nous, c'est pour nous parler. Et là, on dit, oh, fais do fa dièse pour moi. Do fa dièse. Oh, pour ne pas parler de bonjour, je vais prendre que ça, c'est un corde augmenté. Les malades m'ont marqué que quand tu fais partie de augmenté, parce que je me dis, ça, c'est un corde augmenté. Tout ça, tu parles qui fait partie de l'I, ça, je ne peux pas dire. Ok? En tout cas, si tu as dit do, ré, je ne peux pas dire ça, son seconde juste parce que je ne peux pas dire. Non, juste que seconde là. Vous comprenez? So, bah, on a pas habitué avec tout petit tableau ça qu'on s'allait en parler. On a pas de intervalle pour qu'a dit yo normal. Nous va faire exercice. Comment? On regarde pour moi. Entre do et mi qui s'allie, on avait ces guess pendant ma bonne réponse là. Entre do et la qui s'allie. Entre mi et sol qui s'allie, entre do et sol qui s'allie, entre do et fa dièse qui s'allie. Et do mi, vous contrôlez avant, me dit do ré mi, ça c'est en tierce. Ou bien, on relève ça third en anglais, tierce. Et ça c'est en tierce. Do mi. C'est en tierce. Qu'on y a pour qu'on ait qui tierce lié, ça sent l'autre pénumence. Qu'on y a comme qu'on l'élément do mine naturel, m'a dit ça c'est en tierce majeur. Tierce majeur. Majeur. Et. Bon, c'est amusant. Ça c'est en tierce majeur. Entre do et la, on contrôle do, ré, mi, fa, sol, la, moins 6, on dit ça son 6, moins 6e en français. Ok? Et bon, je vais écrire en anglais pour plus facile, ça se fait 6. Ce qui est 6 lié, est c'est majeur, mineur, on dit do, ré, mi, fa, sol, la. Le fait que je connais do majeur, la, c'est on a la naturelle, on dit ça son 6 majeur. Entre mi et sol, nous contrôlons les mêmes jambes. Fait mi, fa, sol. So, nous faisons mi, fa, sol. Ça veut dire que nous avons tierce. Mi, fa, sol, nous avons tierce. Ok? Quand nous avons qui tierce, c'est un tierce majeur, c'est un tierce mineur. Et puis nous avons mi, fa, sol. Nous avons tierce mineur. Ainsi de suite. Entre do et sol, nous disons do, ré, mi, fa, sol.
do, ré, mi, fa, sol. Ça veut dire ça c'est quinte. Quand vous connaissez, si son quinte mais en fif en anglais, en quinte ça qui s'allie, quinte. Mais pas qu'à dire quinte majeur ni mineur parce que dans l'intervalle là, quinte pas majeur, quinte pas mineur, c'est juste. Ok? Et entre do et fa dièse, do fa dièse, mais do, ré, mi, fa dièse, do, ré, mi, fa dièse, paradicadus, obligé de dire son 4 augmente. Ok? 4 augmente. 4 augmente.